Tiens, je t'envoie cette vidéo. Fais gaffe, elle est un peu énervante. Limpiava il pescado, fregasse l'arroz. Oh. 12 seconds later. C'est bon? Pourquoi il n'y a pas de meufs dans les vidéos des youtubeurs? Je viens de voir la vidéo d'une youtubeuse qui analyse la présence des femmes dans les vidéos des plus gros youtubeurs français. Spoiler, il n'y en a pas. Oh, ça m'énerve! Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pedía el día de descanso ya. Y me dice algo yo. L'exemple le plus parlant, c'est Amixem. Sur 941 vidéos sur sa chaîne, il y a 4 vidéos avec des meufs. La dernière date de 2021. Je continue. Sur la chaîne d'Inoxtag en 2023, il y a eu 3% de meufs. Peut-être qu'après avoir grimpé l'Everest, tu pourras t'attaquer à une autre montagne. Invitez les meufs. Pause. Quand on regarde la chaîne d'Inoxtag, on remarque quelque chose d'assez intéressant. Inoxtag et Amixem ne fitent qu'avec les mêmes personnes, leurs potes. Alors oui, peut-être, un mec a plus tendance à être pote avec des mecs. D'ailleurs, tout comme le fait que les meufs ont plus tendance à être potes avec des meufs. Prenons en compte le fait qu'il y a plus de créateurs mecs que de meufs sur la plateforme. Est-ce qu'il faudrait se forcer à inviter des gens du sexe opposé pour faire plaisir à des féministes? Non. Et d'ailleurs, je trouve ça même plus insultant pour les femmes d'être invitées parce qu'elles sont des femmes, au nom d'une parité totalement forcée, que de par leur personnalité. Et pour finir, si le fait d'inviter que des mecs rend sexiste, jetons un œil un peu à la chaîne de Magla. Est-elle sexiste? Allez, sur ce, la vidéo peut reprendre. Ça vaut pour eux, mais ça vaut aussi pour absolument toutes les grosses chaînes de mecs. Prochaine question à poser à Mastu, au détecteur de mensonges. Allez-vous inviter des femmes? Non. Youtubeur, je donne l'info, hein. Les meufs, c'est pas que dans les DM quand elles sont mineures, en fait. On a quand même une exception, celui qui fait le plus de feat avec des meufs, c'est Abrèche Frère. No, God, please, no, 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 no. Excellente parité, faut juste arrêter de leur dire de fermer leur gueule. Mais sinon, c'est sur la très bonne voie. Il y a des meufs sur YouTube, elles sont incroyables, elles sont juste pas représentées par la plateforme et par les créateurs. Et ça commence à me courir sur le haricot. C'est primordial qu'on commence à plus représenter les meufs. Pour qu'on commence à se sentir légitime, et peut-être juste pour qu'on arrête d'exclure 50% de la population. Les youtubeurs, franchement, on vous adore. Mais faites un effort, s'il vous plaît, ça commence à se voir. On croit en vous pour 2024. Et nous